Contact défunt avec Stéphanie, donc le mercredi 3 novembre 2021. Qu'est-ce que le temps passe vite, elle est en train de dire. Qu'est-ce que Oui. le temps passe vite? On était l'hiver et on passe déjà à l'automne, c'est ce Oui. qu'elle est en train de me dire. Nous étions en hiver et nous sommes déjà en automne. Est-ce qu'elle est partie en période de janvier-février? C'est C'est ça, ça? oui, Je pense plutôt février. la période, voilà, ce que j'allais dire, la période des amoureux, mais elle parle février, mars, même à Oui, elle est cheval. partie le 28. D'accord, elle parle à cheval avec, Ouais. avec. Alors, cette femme, c'est votre maman ou c'est comme une maman? Parce que maman, c'est comme Non, quelqu'un qui a du elle cœur. était plus âgée que moi D'accord. et c'est comme une sœur. D'accord. Et puis, il y a ce côté très maman, très protectrice d'elle, en fait. D'accord? Voilà. Hein? C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Une femme très simple, une femme très naturelle. Et elle me dit, moi aussi, j'avais les cheveux dans le vent. Elle fait comme ça. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui... Il n'y avait pas d'artifice avec elle. Elle était peinture nature, elle dit. C'est ça. Peinture nature, elle dit. Moi, je suis peinture nature. Elle a un côté très, comment dire, elle me montre qu'elle est dans un champ de légumes, un champ de fruits, la nature en fait, c'est important pour elle. Et elle me dit si j'avais une belle roulotte, vous voyez un peu un côté à l'ancienne, si j'avais une belle roulotte pour pouvoir voyager, Ah, ça m'étonne pas, ouais. Elle me dit, ou de dans la nature, elle l'aurait bien fait volontairement, elle me dit. D'accord? C'est elle, ouais. Elle vous embrasse très très fort. Moi aussi. D'accord, Stéphanie? Elle habitait à Paris ou quelque chose lié à Oui. Paris parce qu'elle me montre plutôt la capitale, c'est ce qu'elle est en train C'est de dire. ça. Ça ne lui plaît pas trop cet endroit-là, hein, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas de là-bas, elle dit, elle est du Non. sud. D'accord? Et elle s'est retrouvée. Elle était de Saint-Ambroise. D'accord. Et elle me dit qu'elle s'est retrouvée à cet endroit-là et la vie a fait qu'elle s'est retrouvée par C'est eux. ça. Hein? Et c'est quelqu'un qui a toujours donné beaucoup, elle me dit beaucoup et qui a très très peu reçu. À part l'amour, elle dit l'amour, l'amour des gens qui l'aimaient, parce qu'elle n'a pas toujours été aimée, elle dit. D'accord? C'est une femme qui a beaucoup, elle me dit que c'est qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. La vie a été difficile et vous savez ce que c'est, elle dit. Tu sais ce que c'est. Elle est une étoile, elle fait partie des étoiles maintenant qui brillent dans le ciel, elle dit. Oh. D'accord? Comment elle dit ça? Constellation. Une petite constellation qui brille, en fait. D'accord? Voilà. Elle dit, je te regarde. Moi aussi. D'accord? Tu me regardes. Et je te regarde. Et là, elle rigole parce qu'elle dit, je viendrai même te tenir, je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. Il y a le côté très spirituel en elle, en fait, qui est présent. D'accord. Une femme très ouverte, de cœur, Ah ouais. voilà, énormément dans l'amour et qui cherche la paix et la tranquillité, c'est ce qu'elle me dit. D'accord, hein? D'accord. Elle me montre qu'elle n'avait pas encore 60 ans quand elle est partie. Elle avait toujours son papa, oui. Non, elle dit oui. Pardon. Elle rigole, elle me dit, c'est moi qui étais sourde, mais maintenant je vois que c'est toi, Stéphanie, qui deviens sourde. Elle sourit, hein, ça la fait sourire. Elle dit elle n'avait pas encore 60 ans. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai. C'est pas grave, Stéphanie, c'est pas grave. Hein, voilà. Oui, parce que je pense à son père, oui. Oui. C'est quelqu'un de très joyeuse, une Oui. femme très joyeuse, une femme qui... Toujours le café, le café, le café. Oui. Elle dit, tu veux boire un café? Je te propose un café? Vous voyez? Toujours le besoin de le café. Mais elle fumait de temps en Oui. temps, hein, parce que je vois le café, la cigarette, la fumée. D'accord? Voilà, toujours comment dire, un café fort, hein, avec la cigarette. Les deux vont ensemble, elle dit. Les deux vont ensemble. Elle dit maintenant, terminé, elle dit.
Plus de goût. Plus le goût à ça. Plus envie. Elle dit, je ne connais pas ce que c'est l'envie. Vous voyez, elle ne pouvait pas s'arrêter de fumer, elle dit, ou de. Non. Elle dit, c'était impossible, c'était son souffle. Elle dit, c'était mon souffle. Elle a fait du ménage, cette femme. C'est possible. Ouais, parce qu'elle me montre garder des gens, faire du ménage. On a l'impression qu'elle a tourné sa bosse, en fait, et elle a fait un peu de tour, en fait. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord? La vie, comment dire, la vie m'a usée, elle dit. Voilà. Elle est très contente pour vous, elle dit. Ah bon? Voilà. Elle est très contente de votre situation, elle me dit. Elle me dit, tu mérites. D'accord? Voilà. C'est un peu comme si elle avait reçu elle aussi. D'accord? Elle dit qu'elle vous bénit, en fait, aussi. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord, Stéphanie? Et elle reste toujours là, quand vous avez besoin, elle reste là dans votre cœur, elle dit. C'est quelqu'un qui a une simplicité pour discuter, c'est quelqu'un qui attend rien en retour de personne. Elle donne, mais elle attend rien en fait. Elle dit, moi j'attends rien. Voilà, seulement qu'on me respecte. C'est une femme qui a pas vécu dans le respect, je veux dire, on ne lui a pas donné le respect qu'elle méritait d'avoir. D'accord. Elle a eu deux enfants parce qu'elle me montre oui, deux. Oui. D'accord. Et j'ai l'impression que même c'est des garçons parce que j'ai l'impression qu'il y a des éloignements même vis-à-vis d'elle. Non, une fille et un garçon. Une fille et garçon. D'accord. Une fille et un garçon. Le fils s'est éloigné d'un peu de sa maman parce qu'elle me montre. Oui, lui, il a vécu sa vie. D'accord. Voilà. Elle est attristée par ça parce que. Elle a toujours fait, oui. elle a gâté ses enfants et elle a toujours tout donné. Même elle avait dû, elle s'habillait pas. Vous voyez, elle me montre qu'elle ne s'habillait pas. Elle n'a jamais cherché vestimentairement. Elle me dit, moi, je suis très colorée, hein. Carreaux, petits pois, tout ensemble. Elle dit, vous voyez, elle me dit, mais c'est quelqu'un qui est toujours resté propre. Hein, c'est ce qu'elle me montre, hein, d'accord? Toujours propre de ce côté, mais c'était pas quelqu'un aller faire les boutiques ou c'est pas du tout. Elle a pas le temps, elle dit. J'ai pas le temps, elle dit. J'ai pas le temps. J'aurais aimé, mais j'ai pas le temps. D'accord? Je me suis fait des soucis, elle dit. Et ouais. Je me suis fait des soucis. Et les galères, tu les as un petit peu partagées avec moi. Parle de tout, elle dit. Il n'y a pas un moment où je ne te parlais pas des choses. Et des fois, je ne voulais pas te. Comment dire? Elle ne voulait pas vous inquiéter non plus. C'est vous qui l'insistez. C'est ça. Oui. C'est vous qui insistez. Dis-moi, dis-moi. Allez, raconte. Voilà. Et elle ne veut pas forcément. Non, 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 elle ne voulait pas. Ouais. C'est vrai. Protéger tout le monde. Elle me montre une position. Elle est assise, elle est assise sur une sorte de banc ou quelque chose en pierre. Je ne sais pas si c'est de la pierre, mais elle est assise et elle aime bien ce petit coin là. C'est son petit coin. Ah, c'est peut-être chez son papa. Voilà, et elle aime bien ce petit coin parce que c'est son petit coin où elle téléphone ou avec son petit portable. Elle me montre à clapier. Elle a eu longtemps un petit clapier. Elle aime bien. Elle dit, moi, je comprends pas tout. C'est un téléphone qui appelle. Ça, c'est important. Et elle téléphone. Et elle, il y a eu beaucoup de, comment dire, beaucoup de soirées où vous avez beaucoup discuté aussi. Ah, oui, on a passé oui. des heures à discuter. Et le lendemain, rebolote. Il y avait toujours autant à oui, dire. Oui, oui, oui. D'accord. C'était quasiment tous les jours. Rebolote. Et hop, il y avait encore toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. Oui. On raconte ben, sa vie. Ah, ben, je t'ai raconté. Ah, ben, oui, c'est vrai, je t'ai raconté. Ah, mais j'ai oublié de te dire ça. Je voulais te dire ça et j'ai oublié. Vous voyez, ouais. On n'arrive pas à s'arrêter d'en parler parce que, en fait, vous discutez quand vous êtes au loin, vous discutez beaucoup plus que si vous étiez ensemble, en fait. Oui.
D'accord? Il y a plus de choses à se dire quand on est au téléphone que quand on est ensemble et on n'a pas le temps de dire des choses, en fait. C'est ce qu'elle nous montre. Qui c'est, Alexandre? Alexandre, je vois pas. De son côté, je vois pas. Alors, je note. Alexandre, on va voir après. Elle était d'origine russe ou... Oui, tout à fait. Hein, voilà, hein, parce qu'elle... j'entends... Oui, oui, oui. Le prussien, en fait. Hein, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Voilà. Oui. Il y a comme si on avait quitté le pays jeune pour fuir un petit peu le communisme, oui, tout ça. Père, voilà, père, oui. Hein, le côté communiste, le côté voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, le côté communiste. Son père, il est resté très dans l'amertume, dans la nostalgie, dans, triste en fait, hein, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle a pris soin de son père, elle me dit qu'elle a dû prendre soin de son père. Et puis finalement, c'est d'elle qui est partie. Et partie assez rapidement, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, d'accord? Il y a eu quelque ouais. chose qui a été enclenché en elle, et elle me parle de maladie qui l'a fait partir, elle me dit, d'accord? Alors qu'elle aurait préféré que ce soit son papa qui parte avant elle, parce que c'est difficile en fait, d'accord? Voilà. Voilà. Doris, elle me dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Dorine ou Doris? Dorine, c'est elle. D'accord. Dorine, d'accord. Elle dit, je suis Dorine. Elle aime bien son prénom. Ah oui, oui. Voilà. Elle dit qu'elle est avec Georgette. Alors... Vous ne connaissez pas toute sa famille. Son oncle s'appelle Georges. D'accord. Et Georgette, je ne connais pas dans la famille, je demanderai à son papa. D'accord. Est-ce que sa grand-mère, c'est Mathilde? D'accord. Et sa maman, c'est André, donc je ne sais d'accord. pas. D'accord. Sa maman est de l'autre côté. Oui. Elle est passée de l'autre côté parce que je l'entends parler avec sa mère, là. Attention, d'accord. Oui. Voilà. Elle n'est pas seule, elle dit. Elle a le sourire. C'est une femme qui rit beaucoup. Oui. Qui éclate. Puis des bêtises, c'est des bêtises. Elle rit même d'elle-même, tellement ça la fait rire. D'accord ? Voilà. Elle a un côté. Elle a une façon de parler particulière. Je veux dire, comment expliquer ça? Elle est en train de rire là. Et elle, en fait, avec sa bouche, elle a une façon de parler particulière avec la bouche. Et on a l'impression que sa langue, elle n'arrive pas à la sortir. Oui, c'est ça. D'accord. Et elle a une langue qui n'arrive pas à sortir. Et du coup, vous voyez, elle me montre que ça, la salive, elle avait du mal à circuler. Elle fait comme ça. Hein. Et elle se pose, quand c'est comme ça, elle dit, je suis obligée d'avoir de la salive, hop, pour partir. Elle a été malade et je pense qu'elle a eu un cancer, quelque chose, parce qu'elle me dit qu'elle a manqué de salive, d'eau, elle avait soif, elle n'a pas pu boire, elle n'a pas pu lui donner de l'eau. Vous voyez, elle me montre ça, en fait. Elle a été hospitalisée, elle me montre, et je ne sais pas, elle me montre comme si elle avait été, Stéphanie, comme des sortes d'allergies, de choses qui la démangent, qui la... Comme le sang, en fait. Vous voyez, un problème, je ne sais pas si c'est la leucémie ou quelque chose, où elle me montre que ça l'a gratté, ça l'a démangé, en fait, au niveau de son corps. D'accord ? Voilà. Elle dit Dorine, Marie, Georgette. D'accord ? Voilà. Tu ne connais pas tout, elle dit. Et oui. Elle dit, prends le téléphone, je t'appelle. D'accord ? Prends le téléphone, je t'appelle. C'est quelqu'un de confiance.
C'est quelqu'un qu'on peut confier les choses, elle va rien raconter. C'est Ouais, elle était super. une tombe. C'est vraiment la femme. Elle est pure en elle, elle est sincère, elle donne des conseils. Et mais toujours, je te donne un conseil, mais c'est toi qui sais, c'est toi qui fais. Voyez, elle donne des conseils, elle dit, je pense que moi j'aurais fait comme ça. Voilà. Voilà, ou telle situation. On voit qu'elle n'essaie jamais de dénigrer quelque chose ou dénigrer Non. quelqu'un. Elle prend même la défense de l'autre personne. Tu sais, Ah peut-être que si, ou ça, oui, vous voyez, tu sais, moi aussi, je suis passée, et elle est toujours en train de donner des exemples par rapport à elle. Mais tu sais, moi aussi, j'ai vécu des choses comme ci ou comme ça. Elle essaie d'interférer par la communication, de parler. Voilà. Elle est très curieuse. Très, très curieuse. Elle vous remercie du fond du cœur d'être en contact avec elle. moi aussi. D'accord? Oui. C'est comme si elle dit que ça fait un petit moment. D'accord? Elle est partie cette année. Hein, il me semble qu'elle est partie cette année. D'accord? Oui, Voilà, en c'est ça. février. D'accord. En pleine période de Covid en plus. En pleine période du Covid. Vous n'avez pas pu aller la voir, Non. hein, c'est ça, Oui. parce qu'elle me dit ça. Mais elle dit que ça a été très, très dur pour vous de ne pas pouvoir. Et elle sait, mais elle dit qu'elle a été près de vous, qu'elle s'est trouvée chez vous, elle a vu. Elle s'est retrouvée entre. Elle fait des allers-retours, mais c'est son corps de lumière qui fait des allers-retours, c'est pas elle. D'accord? Elle aurait aimé venir passer du temps avec vous. D'accord? Mais votre situation n'était pas encore arrangeante, elle dit, n'était pas encore stabilisée, elle dit. D'accord? Voilà. Et puis après, sacrée maladie. D'accord? Et puis ça a été très vite, elle me montre. Elle me montre, ça a été pff, en 2, 3 mois, 4 mois, ça a été. Ça a été, elle fait comme ça. Fin. Et elle dit que elle dit. D'accord. Elle dit que elle est dans la lumière. C'est un bel ange. D'accord? Elle est Voilà. montée vite. Elle est montée vite et elle dit qu'elle est avec plein d'oiseaux, plein de Bon. papillons, elle est dans la nature. D'accord? Ah. Elle est dans la nature et c'est une fille de la terre. Elle dit, j'aime la terre. Oui. Et elle a besoin d'être dans la terre. Et elle me dit, je cultive, je mets en fleurs. Et en fait, elle est dans un jardin. Elle me dit, elle travaille dans un jardin. Et elle est tellement heureuse de travailler dans ce jardin. Ça l'a, comment dire, ça l'a fait sortir des buildings, des tout ce qui est cimenté, tout ça. Elle supporte plus le bruit, elle dit. D'accord. D'accord? Elle ne supporte plus le bruit. Et elle est dans la nature, hein, OK. elle dit au milieu des animaux, avec des animaux, mais je ne suis pas seule, hein, nous sommes entourés, voilà. Et enfin, elle dit, enfin, je suis libérée. C'est une femme qui a eu un certain problème avec un homme, elle me dit. D'accord? Quelqu'un de dur, quelqu'un qui ne veut pas la lâcher, quelqu'un qui est toujours en train de la. Je veux dire, de revenir, de la remenacer ou de la. Vous voyez? Et elle en avait peur et elle essaye de calmer le jeu. Et vous voyez? Et je pense, elle me dit, c'est fini ça. Je ne veux plus avoir peur. Je n'ai plus peur. D'accord, Stéphanie? Et toi, tu n'as plus à avoir peur, elle dit, chérie. D'accord? Elle vous appelle ma chérie. D'accord? Tu n'as plus à avoir peur, ma chérie. On a tellement parlé de toi, il fallait bien qu'il fasse quelque chose pour toi. D'accord? Voilà. Pourquoi elle me parle de gardon, du gardon ou quelque chose? Ben, parce que sans doute, quand elle descendait, elle allait peut-être à la rivière ou... D'accord. D'accord, Oui. parce qu'elle me parle du gardon. C'est une grande frileuse, hein?
Ouais. Là, faire mettre mon écharpe autour du cou. Vous voyez? Voilà. Très sensible au niveau du cou. Voilà. En été, non, mais en hiver, elle me monte comme ça. Hein? Toujours le besoin de se couvrir et tout. Je sens son parfum. Elle a une peau qui sent le lait, en fait, qui sent le bébé. Ouais. Voilà, elle a une odeur particulière qui sent quand on la sent, on sent le bébé en fait. On sent la poudre de bébé en fait. Vous savez, il y avait ce talc qu'on mettait Ben ouais. parfois talc sur les fesses des bébés. Ben, elle sent le talc de bébé en fait. Et je peux vous assurer, je ne me suis pas mis du talc, hein, c'est son odeur. Hein. Il y avait oui, cette odeur particulière. Et elle sent bon, elle a une peau très douce, très très fine. Alors, elle me dit c'était beaucoup amaigrie. Déjà, c'était pas une femme truc, mais c'était beaucoup amaigrie. Oui. Elle avait des hanches très larges. Elle dit des hanches très larges et un corps très menu vers le haut et elle dit culotte de cheval. Elle dit, oh, pas exagéré quand même, mais c'est une femme qui est très large en bas. Elle dit, d'accord. Hein? Elle dit que tout ça c'est fini, que maintenant elle a 20 ans. Elle veut que vous preniez soin de vous, Stéphanie. Oui, c'est gentil. D'accord, hein? Que Oui. vous accordez du temps, Oui. du repos aussi. Tu le mérites. Que vous fassiez des choses que vous n'avez peut-être pas encore fait. Voilà. Hein? De vous accorder du temps, elle me montre comme si, Stéphanie, vous étiez un petit peu seule, en fait. Seule, comme si vos amis étaient partis, en fait. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Vos vrais amis, en fait, vos amis de cœur sont partis, que vous vous sentez seule, en fait. Elle dit que c'est un peu comme si on erre dans l'endroit, pas que vous vous ennuyez, mais vous avez besoin de. Elle dit, il faut que tu te fasses des nouvelles amitiés. Parce que tu ne. Bon, c'est vrai que l'automne n'arrange pas l'hiver, mais ces périodes de fête et tout ça, c'est un peu. Vous êtes un peu dans la tristesse, elle me dit. Elle ne veut pas vous voir dans la tristesse. D'accord, hein? Voilà. Sinon, je vais venir te secouer, elle dit. Ah, tu reviens. Elle dit, je vais venir te secouer. Mais la vie continue et tu dois faire encore des choses. Tu as encore des choses à faire, elle dit. D'accord? Je reviens te chercher. Elle dit non, je ne reviens pas te chercher. Elle dit, je viens t'accompagner, mais pas te chercher. Pas tout de suite, chérie, elle dit, ma chérie. Avec elle, c'est une sœur de cœur. C'est une sœur de cœur. Complètement. Il y a une facilité de parler, on parle de tout, Oui. sans jugement, sans des moments de Non. rire, hein, des moments de joie où Oui, vous vous éclatez. Voilà. Vous l'avez rencontrée à Paris, cette personne non, je ne l'ai pas rencontrée à Paris, mais je suis allée la voir à Paris. Ah, d'accord. Puisqu'elle m'a invitée. Et c'est là qu'on a beaucoup, beaucoup. On a vraiment passé des moments intimes, oui, à Communiquer. Paris. Elle est très simple, hein. Elle dit Oui. qu'elle n'a pas cherché, elle vous a montré des lieux, voilà, vous alliez dans. Non, non, Mais ça a les, oui, toujours elle été était. très simple avec ce qu'elle pouvait, ses revenus aussi, c'est ce qu'elle est en train de me Ouais. dire, hein. Et c'est la sœur que vous n'avez pas eue, en fait, c'est ce qu'elle est en train de C'est me. ça, c'est comme une sœur, hein, Voilà, vraiment. hein, c'est une sœur. Et un côté très maman protectrice aussi par rapport à Sans celle-là. doute, sans doute. Hein, voilà. Ah oui, mais je pense que l'une comme l'autre, on se considérait comme des sœurs. Voilà, mais c'est plus que sœur parce qu'elle me parle de sœur de cœur, de sœur de. Ah Comme si vous oui, vous c'est très connaissiez fort. depuis des années et que c'était naturel de parler de certaines choses. Et elle me dit, on parlait des fois des choses un peu chouchou, chouchou, mais Oui. on en rigolait parce qu'on parle de Oui, tout, et voilà. Et des on peut parler de expériences, tout. voilà. Tous les jours. Voilà. Elle a toujours tenu que vous mangiez, que vous ne manquiez de rien, que vous n'ayez pas froid, que vous voyez toujours elle a ce côté, ça va, tu manques de Protecteur. rien, protecteur, voilà. Elle aussi, elle n'avait pas beaucoup d'amis, elle me dit, hein? Oui. D'accord?
Et elle avait des connaissances, elle dit, des connaissances avec qui elle parlait, mais c'était bonjour, au revoir, ça va les enfants, et pas plus, elle dit. Tandis que nous, ça a été, elle dit, naturel, ça a été un livre ouvert, elle dit, avec toute notre histoire. Hein. Et on pouvait ne pas s'appeler, des fois on n'avait pas le temps de s'appeler, puis quand on se parlait, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et puis on rebelote. Il n'y avait pas de jugement, tu ne m'as pas appelé, pourquoi tu ne m'as pas appelé? On avait dépassé tout ça, elle dit. Poisson, 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 pourquoi elle dit poisson? Ah oui, parce qu'elle avait offert un poisson à mon fils. D'accord, pour ça qu'elle dit poisson, poisson, poisson. Et quand elle est décédée, je pense qu'elle a dû m'envoyer un signe parce que je suis passée devant une voiture qui portait le nom du poisson. D'accord, parce qu'elle dit poisson, 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 puis ça la fait rire. Oui. D'accord, hein? Voilà. Oui, elle avait offert un poisson. Et peu cher, il n'a pas vécu longtemps. D'accord. Je ne sais pas s'il n'avait pas supporté le voyage en voiture ou quoi. Il a manqué d'oxygène, elle dit. Je pense. Voilà. C'était trop. Nemo. Ouais. C'était trop. Elle rigole, elle dit le pauvre, elle dit le pauvre. Ben oui, moi aussi, Voilà. parce que Mais c'est marrant, quand elle est morte, je suis tombée sur une voiture, c'était écrit Nemo. Ah, oui. je pensais D'accord. à elle. Hein. Voilà. Et elle dit poisson, poisson, ça la fait sourire. Et c'est le signe qu'elle vous montrera souvent, le poisson, en fait. D'accord? N'oubliez pas que le signe chrétien, c'était le poisson. Hein, autrefois, ce n'était pas la croix, c'était le poisson qui représentait tous les apôtres qui étaient pêcheurs, en fait. C'était le poisson. D'accord? Voilà. Elle dit qu'elle est heureuse. Hein. Ah, tant mieux. Voilà. Elle est en paix aujourd'hui. Elle est. Tant mieux. Voilà, soulagée. Cette maladie, elle me dit, elle m'a tuée, elle dit. D'accord? C'est comme ça qu'elle dit. Elle m'a tuée. C'était trop difficile, elle dit. C'était trop dur. Et puis entre papa, c'est trop compliqué, elle dit. Et elle me montre que la circulation pour d'aller d'un point ou un autre, Oui, c'est ça. c'était trop dur. Vous voyez, c'est pas possible, elle dit. D'accord? Son père s'est beaucoup fait des soucis pour elle. Et elle a toujours essayé de montrer que tout allait bien, ça va, papa, ça va. Vous voyez, voilà. Oui, Et oui, oui. elle n'a pas demandé, elle dit beautiful, beautiful, elle vous dit. Beautiful. Elle est en train de vous dire qu'elle vous aime, beautiful. Enfin, hein? Des moments beautiful, moment beautiful. Avec vous qu'elle a passé. Elle ne parlait pas l'anglais. Elle se met à parler l'anglais. Non, Elle parle l'anglais là. mais moi je montais à Paris pour après mettre dans l'avion mon fils vers l'Angleterre. Ah, c'est pour ça qu'elle dit moment beautiful. D'accord. Et là on se retrouvait. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'elle dit des moments beautiful. D'accord, j'ai compris. C'était des moments merveilleux pour elle aussi. D'accord. Ah oui, elle était contente. Voilà. C'était une belle occasion, elle dit. Oui, Voilà. parce qu'elle n'était pas loin d'Orly, donc Oui, parce que la correspondance est une chose, mais être ensemble à un moment donné, voilà, c'est après on autre se chose. retrouvait. Voilà, c'est autre chose. Hein. Et puis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. L'accueil, hein, l'accueil. Quand tu veux, tu Ah oui, viens. Quand tu veux que tu viens, tu viens quand tu veux, elle dit. exactement. Elle me parle du 12 février. Elle est partie le 12? Non, elle est partie, je crois, le Ah. 23 ou le 28. Non, elle dit qu'elle est partie le 28. Elle dit qu'elle est née un 12 février. Ah oui, elle est née. Non, parce qu'elle est née le 12 novembre. D'accord. Et là, pour son anniversaire, je vais lui faire lui préparer quelque chose. Elle dit pas quelque chose de gros, hein? Non, mais je lui ferai un cadeau pour mettre sur. Ça tombe. Oui. D'accord. Mais elle a été incinérée Stéphanie. Elle n'a pas quoi? Elle a été incinérée. Tout à fait. Hein, parce qu'elle me dit la tombe, mais Oui. elle parle d'incinération pour elle. D'accord? Oui. Voilà.
Parce que quand vous avez dit ça, j'ai pas vu. J'ai vu un petit endroit en fait. C'est ce qu'elle m'a montré. Elle m'a projeté directement là où elle est. Il y a plein de tombes. Elle me montre, d'accord? Et ça me montre. Elle Oui, me montre comme des casiers en fait. Vous voyez, oui. Oui. des casiers en fait. Et elle m'a projeté là. Tout d'un coup, elle m'a fait un bond. Paf, elle m'a envoyé là. Elle aime pas la nuit. Hein, elle me dit, j'aime pas la nuit. Oui, c'est vrai. Elle dit, j'aime pas la Et puis nuit. elle avait très peur de la mort et Voilà, elle dit j'aime pas la nuit, j'aime pas la nuit. Elle dit, vous Oui. voyez là, ça va, le jour est en train de tomber. Hop, il faut qu'elle rentre. Oui. Hein, elle aime pas traîner quand il commence à faire Ouais. sombre. Elle n'aime pas la nuit. Elle ferme tout, elle ferme tout, elle ferme tout. Elle me dit, je ferme tout. Voilà. J'aime pas l'orage, elle dit. J'aime pas l'orage non plus. J'aime pas l'orage. Oui. Voilà. Voilà. Et voilà, la nuit, le noir lui fait peur en fait. Tout ce qui est. Voilà. Oui. Et je pense que ce qu'elle est en train de me montrer, ce sont des peurs de l'enfance de son père. D'accord. Hein? Des choses qu'ils lui ont racontées. Du coup, elle a une mémoire aussi, D'accord. une mémoire de son ancestral, de son père aussi. Elle dit qu'elle est avec sa maman aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. Sa maman aussi qui est partie, ça a été un départ tragique aussi. Tragique, et elle était jeune, elle dit qu'elle était jeune quand elle est partie. Hein, que ça a été difficile pour elle. Elle avait besoin de sa mère. Oui. Et aujourd'hui, elles sont ensemble, enfin, elle dit. Enfin ensemble. Enfin. Oh, super. D'accord? Vous voulez lui faire un petit. Comment on appelle ça? Elle me montre Ben. un petit truc avec tout mon amour d'amis ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Oui, un petit mot avec Voilà, un un petit bouquet mot de fleurs, quoi. exactement Enfin. qu'on va mettre, elle dit, Oui. avec toute mon affection, avec tout, Oui, voilà, avec tout mon amour, ton ami. oui. Hein, c'est ce qu'elle sait déjà. Elle Oui. sait Elle le déjà sait tout. déjà, enfin, Guylaine. Mais c'est dans les couleurs un peu bordeaux, rouille, en fait, dans Ouais, ce c'est quelque chose de joli. papilloté, elle est avec des paillettes, elle dit, avec des papillettes qui brillent dedans, elle dit. Argentée, d'accord? Voilà. Elle sait déjà, hein? D'accord? Eh oui, j'ai pas de secret. Là, Isabelle, on ne peut rien lui cacher avec elle, hein? Elle est en train de me parler, elle dit, on ne peut rien. C'est-à-dire que comme je lui parle aussi tous les jours, Oui, c'est ça. à peu Oui. près quoi, pas tous les jours, mais presque, je continue à lui parler et Oui. voilà, elle doit lire dans mes pensées. Bon. Et c'est très important pour elle. D'accord? C'est très, Oui. très important que vous continuiez à la faire vivre Oh, dans les super. beaux souvenirs, parce que souvent, c'est des beaux souvenirs aussi. Ne regrette pas de ne pas avoir été là. Tu ne pouvais pas. C'était impossible. Oui, je pouvais D'accord? pas y être. Et tout s'est déroulé comme il devait se dérouler. Elle dit, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et plus vite, et ça a mis du temps quand même, elle dit, entre son décès et son départ, ça a mis aussi du temps. D'accord? Son père a eu des difficultés à mettre tout ça en place, en fait. Ah, ok. D'accord? Mais ça s'est fait, elle dit, il a fallu que j'aide papa de l'autre côté à trouver des solutions. Voilà. Mais je n'étais pas seule, on m'a aidée de l'autre côté. D'accord? D'accord. La vie est tellement plus facile, elle dit. Tellement plus facile là où je suis. Les choses sont tellement plus faciles. Dites-moi, Stéphanie, Oui. vous avez manqué de votre mère aussi? Ma mère? Oui, de votre mère. Comment elle me montre ça? Elle connaissait très bien ma mère aussi. Oui, mais comment dire? Votre mère n'est pas de ce monde non plus? Si, elle est là. D'accord. Elle est malade, votre maman? Ben, je pense, oui. Je ne veux pas tisser les choses ou dire des choses, d'accord? Non, Mais mais je pense que. parce qu'elle me montre comme si
Il y a quelque chose qui se prépare, d'accord? Je m'attends à un truc. Genre à un moment donné où on parle de quelque chose, d'accord. Voilà. Et elle dit qu'elle sera là pour chacun de vous, en fait, d'accord? Voilà. Ben bon, on n'a pas la notion de temps, mais Et alors, est-ce qu'elle vous demande, on a l'impression qu'il y a un pardon, quelque chose à faire par rapport à votre maman, ou quelque chose, moi et elle. oui, quelque chose qui n'a pas Oui, été c'est vrai. dit ou fait. Oui, Vous voyez, c'est c'est ce qu'elle est en vrai. train de me dire, des choses qu'on a gardées dans le cœur et qu'on n'en a pas parlé. Du coup, c'est compliqué. Et elle vous dit, si tu n'arrives pas à en parler, mets-le sur papier. Elle dit, ça te permettra de le extérioriser aussi. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord? Voilà. Je pense que vous comprenez. Elle parle à mi-mot pour moi parce qu'elle veut pas que. Voilà. J'ai bien compris, mais elle parle à mi-mot. Mais bon, comme mon guide me parle, donc je comprends un peu la situation. D'accord? Elle fait zut alors. Elle fait zut alors, zut, zut alors. J'ai dit une bêtise. Tu n'as pas dit de bêtises, Doru. Non, mais elle sera là. Mais elle sera là. Oui, elle sera là. Vous voulez lui poser des questions, Stéphanie? Mais moi, je voulais savoir juste si elle était bien montée dans la lumière, si elle était heureuse. Elle est dans la lumière et elle est heureuse et elle est bien montée. Elle est restée Ouais. un temps, un petit temps, 4 jours, 5 jours, le temps de régler des choses. Et puis après, elle n'a pas eu peur, elle dit. Et pourtant, elle avait très peur de la mort, très peur de Oui. souffrir. En fait, elle avait peur de souffrir, de ne se retrouver seule, aérée, se réveiller et dire, ah, oh, mais je suis dans le noir, dans le cosmos, où je vais. Voilà. Mais tout s'est très bien passé, en fait. D'accord? Voilà. Tout s'est très bien passé. Elle n'a rien fait de mal, cette femme. Et je vois Non. comment elle réagit, comme si, disons qu'on lui a fait plus de mal à elle que. C'est quelqu'un qui, même un oiseau, n'arrive pas à faire du mal à une mouche ou quoi que ce soit. Vous voyez, elle fait très attention. C'est pas du tout quelqu'un à aller faire du mal. C'est pas du tout. Elle n'est pas du tout ce genre. Elle dit, j'ai cru, j'ai cru. J'ai cru que j'avais pas le droit, moi. J'ai cru que j'avais pas. Avec tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a raconté, tout ce que mon père m'a. Son père lui a quand même monté la tête avec des peurs. Si tu fais pas ci, tu auras ça. C'est vraiment. Enfant, peut-être, oui. Voilà, enfant, hein. Et du coup, c'est resté des choses. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Comme quand on raconte aux enfants l'histoire du loup, on raconte pas les histoires de loup aux enfants. D'accord, le loup va t'attraper, va te manger, va te bouffer. Vous vous rendez compte les peurs qu'on met aux enfants? Faut pas raconter des histoires comme ça. Je voulais savoir si elle avait retrouvé sa sœur aussi. Elle dit que oui. Oui. Et si D'accord? elles sont sur le même plan ou pas? Non, elle dit non. Non, elles sont toutes les deux différentes. Et elle dit, c'est toi ma sœur. Oui, parce que ça n'allait pas avec Non. les ronds. Elle était plus jeune, sa sœur. Hein. Un an d'écart. D'accord. Mais elle me dit que non, ils sont pas sur le même plan. Dorine me dit qu'elle est partie, on lui a permis d'aller lui rendre visite. Mais ils ne sont pas sur le D'accord. même plan d'évolution. Elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Elle n'est pas. Elle dit finalement j'ai bien travaillé sur Terre parce que Oui, je crois. je me suis retrouvée là où il fallait. Elle dit que Véronique, c'est ça, Véronique? Oui, bravo. Voilà, elle dit que Ouais. Véronique devait travailler sur certaines choses parce que c'était une personne très personnelle, très elle, vous C'est voyez? ça. Voilà, elle avant tout. C'est exactement ça. Même vis-à-vis de son père, même vis-à-vis de sa mère, c'est qu'elle n'a pas été très gentille aussi. Elle en a souffert de ça, hein, parce Tout que à ça a fait. été difficile pour elle. Elle cherchait la compassion vis-à-vis de sa sœur et sa sœur la rejette, hein, l'a toujours rejetée en fait.
Hein? Comme si elle la dérangeait, en fait, vous voyez? Et elle me C'est dit, exactement ça. nous ne sommes pas sur le même plan. Mais elle lui pardonne, hein? Elle lui a toujours pardonné, en fait, d'accord? Hein? Elle dit, je lui pardonne. Mais je suis allée lui rendre visite. Elle savait que j'arrivais et on m'a permis de lui rendre visite. Voilà. Ils sont pas sur le même plan. Elle a encore beaucoup de choses, Véronique, elle dit, à apprendre. Moi, je vais bien, Oui. elle dit. Moi, je me promène dans les jardins, j'écoute de la musique. On me Ah laisse ouais. tranquille. Voilà. Et je ris, D'accord. elle rit, elle se promène, elle me dit, il y a des lacs. Elle ramasse des bouquets de fleurs, elle va fleurir des endroits, elle me dit. Elle prend son temps, elle dit. Je mérite, je pense que. On m'a dit que je méritais. Donc, je profite. On me dit, laisse. Voilà, pour une fois, elle dit, je me laisse qu'on s'occupe de moi. Ah, elle a raison, c'est vrai. Voilà, je laisse qu'on. On m'a dit, laisse-toi aller, on s'occupe de toi. Elle dit, je m'occupe. Voilà, je me laisse, je m'occupe de moi, elle dit. Chose qu'elle Et avait elle voit les oubliée. bougies que je lui fais brûler, les prières. Elle entend tout ça, tout. Parce que vous D'accord. priez pour elle, mais vous priez aussi pour d'autres personnes. Et elle est Oui. contente parce que elle tient à vous dire que tout le monde vous embrasse. Ah, mais c'est gentil, ça. D'accord? Il y a eu hier, hein, hier et avant-hier, vous avez mis des bougies. Et on a une assiette de bougies, il y a eu quelque chose qui a été. Et ils ont reçu les bénédictions. Elle dit quel plaisir, hein, quel plaisir de savoir à un moment donné, tiens, tu as un cadeau. Ah, je la Tiens, dérange pas alors. pas du tout, elle dit pas du tout, c'est toujours un plaisir. D'accord. Vous savez, Stéphanie, s'ils n'ont pas envie de vous répondre, ils ne vous répondront pas, hein, de toute façon, hein, Non. si ce n'est pas le moment, mais on ne les dérange pas. Souvent, dans le christianisme, on disait qu'il ne faut pas déranger les morts. Déjà, ici, ils sont morts, le corps, il est au tombeau, d'accord? Ou enterré ou incinéré. Mais l'âme, l'esprit, elle est immortelle. Elle n'est pas fatiguée. Elle a un moment donné de repos, mais elle n'a pas besoin de sommeil comme nous avons besoin pour notre corps. D'accord? Notre conscience, elle continue toujours à rêver, à partir sur d'autres plans. Elle est toujours présente, notre conscience. C'est notre corps physique qui a besoin de repos parce que si on ne dort pas, ben, ce n'est pas bon pour nos organes, mais c'est que organes et cellules, ce n'est pas notre être de lumière. D'accord? Et elle dit qu'elle saute comme une chèvre maintenant, qu'elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait plus faire parce qu'elle avait des douleurs et des complications et que maintenant elle avait des problèmes de hanches, des problèmes de genoux et que tout ça maintenant elle peut maintenant C'est vrai. gambader, courir. C'était une jeune fille qui était très sportive quand elle était jeune. Elle dit qu'elle était très sportive. Puis après, la vie, elle dit, le travail m'a usée, elle dit. D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Hein, qu'elle avait, voilà. Et elle a retrouvé une jeunesse, elle dit aussi. D'accord? Elle a les yeux bleu-gris. Oui, Hein, parce que, oui, oui, voilà, oui. on voit pas avec les lunettes parce que je vois Non, plus on voit rien. pas, mais elle a Mais elle me dit qu'elle a une belle des couleur. yeux bleu-gris, en fait. D'accord? Des beaux yeux. C'est une belle fille, hein, elle me montre une belle hippie en fait, hein, d'accord? Elle a des fleurs dans les cheveux là, hein, d'accord? Voilà. C'est très fleuri, hein, dans l'autre monde, hein, il faut savoir, hein, D'accord. très coloré, très fleuri aussi. Hein, c'est cool. Voilà. Elle dit, ce monde te plaira, ma chérie. Elle dit, ce monde va te plaire. C'est vous, sa sœur, elle dit. Moi, je la considère comme une sœur. Voilà, elle dit, c'est toi, ma sœur. Tout est facile. Ça l'a beaucoup attristée que sa propre sœur, je veux dire sœur de sang, Oui. il n'y avait rien entre elles. Il n'y avait rien. Il y avait plutôt de la jalousie. Sa sœur Oui, c'est était ça. très jalouse d'elle, de lui reprocher des choses, alors qu'elle n'a jamais rien essayé ou tenté contre elle. Hein. Elle dit, ma sœur divaguait, elle disait des choses que. Elle ne comprend pas, elle n'ose même plus lui parler. Elle dit, je n'ose même plus lui parler parce que ça ne sert à rien. Elle me cherche des poux là où il n'y en avait pas.
Donc elle préférait couper. Je veux dire, et tout ce qu'elle faisait, ben, c'était pas forcément bien, elle dit. Donc elle essaie de mettre de la distance. Elle me dit, il fallait que je fasse de la distance parce qu'après elle me disait que je ne venais pas vers elle, que je ne l'aimais pas. Et en fait, c'est sa sœur qui réagit comme ça. Elle me dit, moi, je ne me. Elle comprenait pas en fait. Elle me dit, je comprenais pas, j'avais du mal à la comprendre, mais c'est tout, c'est comme ça. Elle a compris maintenant, elle comprend maintenant. Elle comprend qu'ils n'ont pas la même évolution d'âme, c'est tout. Et est-ce qu'elle a un message à transmettre à son papa? Son papa, il va pas très bien, elle me montre. Hein. Il est âgé aussi, hein? Hein, je vois d'une chaise à un fauteuil, d'un fauteuil au Mmh. lit, Ouais, du ouais, lit ouais. à la chaise pour manger, Mmh. de la chaise au fauteuil, et je vois la Mmh. télé, la télé, la télé, la télé, Ouais. la télé. Hein. Mmh. Il a un circuit, elle dit. Il fait le circuit, elle dit, il fait le Dakar. Mais tout avec difficulté, tout le temps avec difficulté. Je l'aime, mon papa, elle dit. Ben ouais. Elle dit, je l'aime, mon papa, je l'aime fort. Et c'est quelqu'un de très affectueuse, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Elle dit, je l'aime, mon papa. Dis-lui que je l'aime, mon papa. Est-ce qu'il va comprendre, elle dit. Elle dit, ça, c'est autre chose. Il perd la tête. Il va perdre la tête. D'accord. Il est que dans les souvenirs. Quand il y a les souvenirs. Ouais. Elle dit, je t'aime, ma soeur. Ah, c'est gentil. Elle dit, je t'aime, ma soeur. Moi, je t'aime. D'un amour. Incalculable, elle dit. Merci Moi pour aussi. tout ce partage. Merci d'avoir été dans ma vie, elle dit. Ah, c'est génial, moi aussi. Merci d'avoir fait partie de ma vie. J'aurais aimé te donner plus, mais tu mérites maintenant, elle dit, certaines choses. Et on a tous prié pour toi et on a tous demandé pour toi. Merci Ah, pour la gentil. personne que tu es, elle dit. Merci pour tout. Ah, gentil. Elle remercie tout le monde. Elle est en train de me remercier aussi. Elle est adorable. Voilà. Mais merci d'être venue, Dorine. Merci à toi. Elle dit, on aurait fait une bonne équipe, elle dit. Il manque encore une pour faire des quatre mousquetaires, elle dit. Ça, je reconnais son humour. Elle aime les vieux films, elle me montre. Hein. C'est possible. Voilà. Elle dit que ça manque de la gaieté dans les films. L'oreille hardie, elle me dit Ah ouais, c'est possible, ouais. Fernandel, tous ces gens qui faisaient rire. Elle dit ça manque de la joie. Elle dit ça manque de la joie. Voilà. Elle vous embrasse, Stéphanie, très 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 fort. Et elle dit que vous êtes Merci. dans son cœur pour toujours, toujours, toujours. Merci, merci. D'accord? Elle n'est pas une étincelle, elle est une constellation maintenant. Hein. Maintenant, wow, elle ne portait pas de brillant, mais je crois qu'elle aime bien les brillants. Hein. Maintenant, il faut que ça brille. Hein. Les paillettes, elle dit. D'accord? C'est parce que c'est la période des fêtes. Ça la rend triste, mais en même temps, elle aime la fête, la période des fêtes. C'est la période de Oui. Noël qui arrive. Oui. D'accord? Voilà. Elle aime cette période-là aussi. Et elle vous remercie même de l'intention, même si ce n'est pas fait. L'intention déjà est déjà faite, elle dit. C'est Oh, l'intention du problème, si je cœur qui est me déjà faite, elle dit. C'est comme si c'était déjà fait, elle dit. Je l'ai déjà, elle dit. Ah ouais. J'ai déjà obtenu. Je sais déjà ce que tu veux. Donc j'ai déjà fait, elle dit. Des fois, vous savez, Stéphanie, ce que j'ai remarqué, on pense quelque chose, on se dit, tiens, on va faire comme ça, puis au dernier moment, on change et on ne sait pas pourquoi. Si, moi, je sais pourquoi on change. Mais c'est en fait, c'est eux qui disent, ah ben non, mais ça ne me plaisait pas, je préfère celle-là. Ah, Et puis, vous allez choisir un truc qu'au début, vous n'aviez pas pensé, en fait. D'accord? C'est eux qui choisissent, en fait, c'est pas nous. D'accord? Voilà. Ça me fait penser à un truc que mon mari avait acheté, il avait acheté pour son beau-père. Une plaque, et moi je lui ai dit, ça sert à rien que tu achètes cette plaque, prends quelque chose de petit, parce que tu ne pourras pas la déposer.
Et lui, non, 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 il faut que j'achète cette plaque. Et j'ai dit, écoute, fais comme tu veux, tu n'écoutes pas, fais ce que tu veux. Il est parti acheter une grande plaque à mon beau-père que j'aime et tout ça. Bon, c'est pas moi, hein, c'était de son premier mariage. C'est quelqu'un qu'il aimait beaucoup, donc c'est tout à fait normal. Il est arrivé à Paris avec cette grande plaque et tout ça. Puis en fait, il n'a pas pu la poser. Et puis, quand il est revenu, il a ramené cette grande plaque immense. Il m'a dit, oh là là, la prochaine fois, je t'écoute encore. Hein. Il faut que je t'écoute, il faut que je t'écoute, Isabelle, parce que j'ai pas pu la déposer. Et je lui dis, mais tu la déposeras sur sa femme qui est décédée ici, dans le coin. Tu le mettras, tu le diras aux enfants. Il m'a dit, finalement, j'aurais dû t'écouter, prendre une petite plaque, la laisser, parce que je pouvais laisser quelque chose de petit, mais je pouvais la grande plaque. Elle prenait toute la place, je ne pouvais pas la laisser. J'ai dit, tu vois, encore une fois. Il me dit, mais il faut que je t'écoute plus souvent. Mais c'était son cœur qui avait envie Tout à de fait. montrer de l'amour. Hein, donc, j'ai pas été en contresens. Et Dorine est en train de rire parce qu'elle dit, c'est pas la peine d'inclure quelque chose de gros, mais Un quelque truc chose. énorme, je sais. Voilà. Reste dans le simple, ma chérie. C'est tout. Mais je l'ai déjà obtenu. Ce que tu as pensé, tu l'as dit avec le cœur, je l'ai déjà, elle dit. Vous savez, Stéphanie, c'est vrai que nous sommes dans le matériel parce que nous vivons Oui. sur Terre. Donc, envoyer un grand bouquet de fleurs à une personne, c'est pour lui montrer son amour. On a besoin. C'est-à-dire que quand elle est décédée, je n'ai pas pu donc aller à son enterrement et j'en ai été très attristée. Et son papa a dit non, je ne veux pas de fleurs, pas maintenant, rien. Oui. Il n'a Et pas en voulu. fait, parce qu'il ne voulait pas être incommodé et il s'est trouvé un peu dans le désarroi avec tout ça, d'accord? Alors je me suis dit, bon, je vais attendre. Oui. Et là, comme c'est son anniversaire bientôt, je me suis dit, je vais lui faire livrer des fleurs. Et vous avez raison. Voilà. D'accord? Par un fleuriste, quelqu'un qui pourrait aller déposer à Oui, tel voilà, endroit, voilà. Interflora Voilà, ou quelqu'un qui avec un pourrait. petit mot. Voilà. Mais si vous aviez les fleurs chez vous avec sa photo, c'est comme si vous l'aviez déposée là-bas en fait. Vous comprenez? Mais ça me fait plaisir Voilà. de, je sais pas, Elle est de. simple, elle cherche pas Non, je sais qu'elle est riche. simple, je la connais. Voilà. Elle cherche pas de. Elle me dit, moi je cherche pas de complications, mais fais comme toi tu le sens, elle dit. Allez. Oui, parce que c'est comme si je lui envoyais un cadeau par la poste chez elle Oui. ou. Elle le comprend ça. Elle le comprend. Mais si c'était elle, c'est. Elle dit, moi, je vais t'envoyer des plumes, moi. Je les ramasse, hein. J'adore Ben les oui, je vais plumes. t'envoyer Dès que des je vois plumes. une belle plume, en ce Voilà. moment, je ramasse que des jolies. Je suis contente, elles Ben sont oui, blanches. elle va vous envoyer encore d'autres, elle dit. Super. D'accord. Ouais. Elle dit, bientôt, tu vas en faire un chapeau, elle dit. Oui, j'adore ça. Quand je trouve une plume dans la rue, je me dis, oh, il y a quelqu'un qui pense à moi. Voilà. Ça l'a fait sourire, hein, voilà. Elle était jeune, hein, elle avait quoi, 57, 58 ans, 58 ans? Elle va avoir son 59? Oui, c'est ça. D'accord. Elle n'avait pas 60 ans, mais. D'accord. Elle vous embrasse très très fort, Stéphanie. Moi Hein? aussi. Et elle dit, n'éteins jamais ta belle lumière, elle dit, reste toujours la même. Oui, mais ça, tu vas avoir du mal à changer. Elle sait que vous ne changerez pas, mais c'est une façon de dire, reste toi, je t'aime comme tu es. Elle dit, c'est exactement ça. Je vais alléger mon ego. Reste toi-même. C'est ça qu'elle veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas la peine. Voilà. Elle le sait de toute façon. Elle dit, ça y est, j'ai encore dit D'accord. une bêtise. Non. Elle vous envoie tout son amour. Ouais, moi D'accord? aussi. Et elle vous remercie ben, d'avoir fait appel à elle parce que qui c'est qui va l'appeler? Elle me dit personne. Mais moi, Et oui, je voulais absolument voilà. Et elle vous remercie. Elle vous qu'on se remercie. reparle. Voilà. Elle vous remercie. Et elle dit quand tu veux, hein, on s'appelle. Hein. Ben, tu me donnes des signes. Ben, elle va le faire. Ouais, que je crois qu'elle le fait. Elle le fait et elle va le continuer à le faire. Avec mon D'accord? téléphone et tout, des fois, je me dis, mais c'est pas vrai que c'est qui écrit des messages. Et elle va continuer à le faire. Bon. Qui c'est qui Cool. tire à l'arc là? À l'arc. D'accord. Elle vous envoie quelque chose à l'arc, des plumes à l'arc, elle dit. D'accord. Tire à l'arc, d'accord.
D'accord. Alexandre, c'est son guide. Ça me parle pas, ça. C'est son guide, Stéphanie. Ah, c'est son guide, d'accord. C'est son guide avec qui elle vient de dire, Alexandre, est-ce qu'on doit monter? Et voilà. Elle vient de, voilà, c'est son guide. D'accord. Voilà, elle n'est pas venue seule, elle ne savait pas comment faire. Alors, elle dit l'électronique, ce n'était pas pour elle. D'accord, ok. Voilà. Elle ne sait pas, elle ne savait pas. Voilà. La prochaine fois, ça sera plus facile, elle dit. Mais elle va venir vous rendre visite, elle dit qu'elle vous aime. Voilà. Moi aussi. D'accord, qu'elle vous aime. Et puis, elle peut venir, je n'ai pas peur. Et puis je l'ai à côté de moi, dans en photo. Elle dit, voilà. Je viendrai te chatouiller tes pieds, t'es chatouilleuse. Ah. Je pense pas que vous aimez les chatouilles, hein, parce que c'est quelque chose qui vous fait souffrir, ça, Stéphanie. Hein. Oui. Voilà, pour vous, c'est plus désagréable que quelque chose qu'agréable. Voilà. Voilà. Et elle a retrouvé Ubi, hein. C'est son chat. Oui, parce qu'elle est elle est avec les animaux. Elle me disait tout à l'heure qu'elle était avec les animaux. D'accord. Et il y a plein d'oiseaux. Alors, les oiseaux, et attention, il y a des animaux domestiques qui restent avec nous. Voilà, il y a d'autres animaux. Oui. Les animaux n'en sont plus en guerre comme sur Terre. Hein. Ils ne se retrouvent pas à bouffer le chat ou le chat. Ils n'ont plus cette envie de chasser. Voilà, tout ça, c'est de la terre parce qu'il y a la nourriture qui est importante. Nous avons besoin de nourriture terrestre pour survivre. Mais dans le monde spirituel, ils n'ont plus besoin de nourriture, en fait. Par contre, c'est beaucoup l'eau, en fait. Il y a quand même des sources d'eau qui vous aident à vous... Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'eau de source. Je ne pourrais même pas vous dire le goût du... Je ne pourrais même pas déterminer... Alors, on peut trouver dans les Cévennes l'eau un peu comme de l'autre côté, mais c'est vraiment une eau qui apaise, qui... voilà, l'eau... D'accord. Voilà. Mais l'eau, c'est la source de la vie, mais c'est la source aussi de la vie sur d'autres planètes aussi, beaucoup. Voilà. Ok, d'accord. Mais ça n'a pas un goût, c'est pas le même goût de l'eau, vraiment, comme nous avons. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pas le cas, elle me dit, c'est pas le calcaire que nous avions chez nous, elle dit. Ah ouais. Ils n'avaient pas une bonne... Elle dit, nous, on n'avait pas une bonne eau de... Elle dit eau de vie, et maintenant, elle rigole. Elle se marre tout seule, là. Elle est en train de dire, oh là là, je suis fatiguée, elle dit. En fait, c'est de l'eau de vie, on appelle ça. Hein. Mais ce n'est pas l'eau de vie alcool, hein, d'accord? Oui, oui. Voilà. Elle vous embrasse profondément, elle dit, amicalement, généreusement. Et elle dit, voilà, elle est partie avec je t'aime, ma sœur. Voilà. Merci, ok. Merci à vous d'être venu. D'accord. Elle parle de Hauts-de-Seine, hein. Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine. Elle était de Hauts-de-Seine ou... C'est ça, oui, oui. Mais c'est pas l'eau de la Seine. Hein. Voilà, Hauts-de-Seine. D'accord. C'est la région parisienne, ça, Hauts-de-Seine. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà, Stéphanie. Ben, super.